Salut à tous, c'est Grand, on se retrouve pour Metro Last Light. Alors on s'était laissé, attendez. Ok. Ah oui, c'est vrai, on était dans la merde dehors. Oui, donc on revenait de l'enfer, hein, on peut dire ça comme ça. Je ne te porte aucune affection alors tu me parles autrement. Tiens, j'éteins. Ah non, je peux pas. On s'était laissé après. Ok, mais là il y a trop d'animation, là je peux pas parler, j'ai pas le droit. Ok, c'est que des enfants qui arrivent. Bien tué. D'accord, elle pleure, on ne sait pas pourquoi. Elle a pas été dehors comme moi, ou peut-être qu'elle l'a été justement. Mais donc il y a 30 secondes, on était dehors dans l'enfer de la jungle colombienne. Non, c'est le titre d'un très mauvais jeu, ça, l'enfer de la jungle colombienne. Non, on était dehors dans l'enfer de la zone. Attendez, mais là c'est pas possible. Alors, regardez cette tête, quoi. Ah, la tête qu'il a. Lui. Ah bon. Ah, mon seul ami. D'accord. Mon porte-garant pour toi, ils vont te laisser passer, tu seras chez toi en un rien de temps. Merci bien. Ok. Oh, toi aussi, la gueule que t'as. Ta tête, tu rigoles pas, toi. Ta tête, elle est vachement grosse. Ok, donc là, c'est le moment où on peut un peu aller partout dans le métro. Ok, c'est le moment où on peut un peu aller partout dans le métro, se balader, voilà, faire bouger les draps grâce à la physique. Wonderful, par contre, il passe à travers son bras. Un peu moins wonderful, ça. Est-ce que j'étais en train de faire un résumé que j'ai pas fini les 5 dernières minutes? Oui. Donc on était dehors, on essayait de rentrer à la casa, et ben on s'est fait agresser par une meute, une horde, et on s'est fait sauver par ces braves gens dans le théâtre apparemment. Ok, alors toi t'es pas bien toi. Les cochons ils étaient déjà dans le premier, je me rappelle ils avaient déjà une texture de psychopathe. Je m'étais fait la réflexion. Ouais, toi t'es là où... Oh, monsieur au survêt, vous vous rappelez de lui? Mister Survetos. Alors ce cochon là-bas il est en train de mourir, hein, je veux pas dire mais. D'accord, il y a des fuites. Je peux y aller là-bas? Non. Tant pis pour moi, je vais me faire voir. Salut. Tu veux une pièce? Tiens, j'en ai une. Je peux? Voilà. Bien sûr. Meurtrier, les putains. Et merde. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Station est peuplée par les fantômes d'opéra, mais y a-t-il une place pour le meilleur critique de notre pays en ruine? Ça non. T'as encore le survêt énorme. J'ai bien fait de donner de l'argent, il a encore le survêt, je vais vouloir. Tout le monde a survêt. Ok, donc on remonte les traces. Avant la guerre, il y avait. Attends, arrête de parler pour voir. D'accord. Ok, chut. J'avais une théorie sur les survêtements. Ok, bon, ben on saura jamais ma théorie parce que je l'ai oublié. Qu'est-ce que t'as toi? J'aimerais pas manger à ton resto tout pourrave. Voilà. Il arrête pas de parler, lui, hein. Ok. Ça, c'est joyeux ici. T'as pas un truc à boire pour moi, tiens? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. Ah, y'a l'autre qui a fini de parler, peut-être ça m'a débloqué un truc. Ok, alors là t'es un. Ouais, bon, il doit peut-être faire froid, j'allais dire, t'as besoin d'un bonnet, peut-être que si. Remarque, lui il est peut-être nu. Oh là. On croise des gens étranges dans le métro. Hein. Ok, donc du lait, d'accord. Ok. D'accord. Je peux éteindre ta lumière d'ici? Non, je peux pas, dommage. T'as rien à me dire toi? Vu que je suis en ranger, ça me dit pas les choses où je peux interagir, donc j'appuie un peu de partout. Ok, vous parlez tous en même temps, vous arrêtez pas. Ouais, c'est un peu dans ce genre de situation qu'on... Ça m'a l'air d'être un loup ça. Il m'a l'air d'être un oiseau mais très mal fait. Au lieu de me regarder comme un psychopan qu'il fait. Ta tête elle luit un peu hein. Tu t'es mis de l'huile dessus? T'as déjà fini? Nul, j'ai payé pour ça. Ah, des ans. Oh, un flingue. C'est ton gosse? Ok, encore lui? Ça arrête pas lui. Comment t'as fait pour revenir? Je t'ai pas vu. Ok, un jongleur. Oh, regardez, c'est encore le gang des survêtes.
Ah oui, ma théorie est revenue. Donc ma théorie, attention, on va se poser à l'écart des regards indiscrets dans mon bureau. Voilà, entrer dans mon bureau. La théorie du survêt, comme on peut voir là-bas. Arrêtez de tous parler, surtout en russe. Donc avant la guerre, il y a Poutine qui a pété un câble. Et il leur a dit tout le monde sera avec ses survêtes parce que en fait Poutine il aimait bien porter ses survêtes. Et les critiques qui disaient qu'il avait l'air d'un con. Et ça l'a un peu énervé, du coup il a fait une loi comme quoi tout le monde devait pas. Pourquoi je continue à dire ça? C'est déjà que ça va être nul. Tout le monde devait porter ses survêtes, voilà, et du coup il y a eu une révolution du peuple parce que du coup il y avait tous les pays du monde qui se foutaient de la gueule des Russes. Encore plus qu'avec les apps de spions et internet, donc c'était le bordel. Et du coup ils se sont rebellés. Et voilà, la révolution, et ça a mené à la guerre. Ça demande, je vais pas recommencer cette vidéo rien que pour ça, quoi. T'as rien à vendre, toi? Pour me faire oublier ce que je viens de dire. Ah, d'accord, y'a un gosse qui regarde. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me vends, toi? Des munitions. Oh, j'ai de la thune. Voir ce que t'as un peu. Ah, des munitions secondaires, munitions. J'ai pas besoin de munitions, on en trouve partout. Secondaire, couteau, dynamite. Oh, bouteille remplie d'essence, reste une arme dangereuse si elle est bien utilisée. Ça m'a l'air d'être un truc chelou, je vais pas l'avoir dans mes mains. Chut, t'as une tête de fou, tu me fais peur. Ah, toi tu vends des armes comme ça sur la place publique. Il y a trop d'enfants par rapport. Oh, ça a l'air bon ça, je peux te l'acheter? Hein? Ouh, t'as trouvé du poisson. Ouh là, je veux pas manger ce poisson moi. Toi t'en veux? Alors c'est quoi ces merdes? Tu vends ça? Sérieusement, tu vends ça? T'as mieux, j'espère. T'as pas mieux? Ok. Alors je peux personnaliser ma chose. Attendez, échanger, voilà. Parce qu'il y en a un peu marre d'avoir une arme de merde. Alors, pas un fusil à pompe, voilà. On va récupérer ça. Ça va me coûter bon bonus. Écoutez, la classe quand même le mieux. Oui, bah allez, change-moi cette arme pour le prix d'une maison. De Dieu. Optique. Est-ce qu'on a besoin d'une optique? Pas une... Ah, viseur infrarouge et tout, c'est pas mal. Mais quand on est extérieur, après on pleure, donc... Et remarquez, vu qu'on se la joue furtif, attendez, ça coûte plus cher, mais est-ce qu'on peut le supprimer? C'est ça la question. On pourra pas l'enlever en jeu, je pense. Vu que bah, c'était un peu atroce, non? Quand on l'avait. Bon, allez, viseur comme ça, ça coûte moins cher en plus. C'est très bien que j'aime pas payer cher. Donc, ok, donc un silencieux, c'est sûr. 30 munitions, putain. Avec quoi je tire moi après? Voilà. T'es content de toi là? Ah. Et j'avais quoi? Non. Tu avais un fusil à pompe, moi? Ah, j'avais ça, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde là? Personnalisé. C'est quoi ça? Ah, c'est le fusil à pompe que j'ai ramassé, bah non. Attendez, quoi que personnalisé? Silencieux, t'es sérieux? Oh, moins de dégâts, je m'en fous. Silencieux fusil à pompe, vous imaginez les gars? Oh, moins de dégâts, je m'en fous, moi. Silencieux fusil à pompe. Oh, give me that shit! Oh. D'hiver, voilà, fût. Ce fût à ressort créé par les magiciens de l'arsenal compense efficacement en recul, augmentant ainsi la précision de l'arme. Combien ça coûte? 40. Non, mais si je pars avec ça, ça veut dire que. Ouais, j'ai trop de thunes. Fuck it. Ça me fait peur parce que ça veut dire que tu l'as pas mis, bien sûr. Ou alors je l'avais déjà. Oh non, tu l'as enlevé? T'es un monstre. Ah d'accord, je l'avais déjà et je l'ai enlevé. Oh oui, d'accord, donc du coup je l'ai repayé. Merci moi. Je suis gentil. En plus, j'ai payé pour qu'il me l'enlève cette munition, je crois. Oh, un avion, je peux le prendre. Ah non, je peux jouer. Ça dérange pas que je joue. Tadadada. Tu me laisses une bonne prise hein, pour que j'arrive à jouer comme ça. Écoute, tu peux souffler ta. Non, ta lanterne. Oula, c'est les mêmes champignons qu'on a vu plus tôt. Chut, j'en veux pas. La chance, je peux pas éteindre. Oula, ça a l'air bien ça. Ok. Oula, non, mais non, ça marche même plus avec les casquettes. Pourquoi tu le fais avec un chapeau? Regardez. Pourquoi tu le fais avec un képi, ça? Un képi. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est triste. Ok, là il y a du monde pour aller au ciné. Hein. Pour rien foutre. Ah, un dossier, merci de me le donner. T'as rien à me dire, toi? T'as rien à me dire, toi? Vous avez rien à me dire, tous? Je vous emmerde, alors je me casse. Ah, d'accord, je peux pas. Ah, oui, il faut que je revienne le voir l'autre quand je serai prêt. Donc j'arrive. Oula. Ah! Oh! Un membre du gang! C'est bien, c'est qu'ils ont tous des bottes avec le survêt, c'est encore mieux. Encore mieux. Et les petits, y'a pas un. Attendez, lui c'est une génération survêt. Oh, il a un survêt. Oh, et son père, c'est lui, je suppose. C'est bien, en plus t'as une bonne tête, je t'aime bien. Tu fais un peu peur quand même avec tes yeux héroïnés, mais.
Ramenez-moi ça, dès l'enfance, ils sont enrôlés dans le système des survêtes. Bon là il est pas encore coloré, mais ça c'est quand il goûtait la drogue pour la première fois. À 8 ans. C'est que j'arrête avec mes histoires. J'arrive. Oh, je t'ai fait tourner le bordel. Tu m'attendras? Non, bah sûrement pas. Si je veux aller là. Non, je peux pas. Oula, toi t'étais un rider toi. Rider croyant. J'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit, on va pas faire semblant. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a un truc qui me pète les yeux. Bioshock? Non, Bolshock. Bolshoï. Ok. C'est stylé. J'arrive. Oh là, ok. Ah d'accord, c'est des one man show. Ah c'est un théâtre. Avec deux trucs VIP. Le ciel est pas mal. Le ciel, le plafond est bien foutu. Oh ça j'aime. Y'a pas un survêtier que je m'assieds à côté de lui et on se comprend entre nous. Non? Ok, bah j'ai juste profité du spectacle alors. Pas de place pour les survêtes. Ah aussi, j'allais dire pas de place. Oh oui, alors toi t'es un... Ouais, tu rigoles sans la bouche ouverte, t'es fort. Sérieux? Oh yeah, bitch. Genre, ils ont fait des animations pour... y en a pas beaucoup des jeux comme ça qui... Mais y'en a. Ils mettent de la physique sur les seins, sérieux, ils abusent un peu. Oula. Enlève ta perruque, s'il te plaît. Et arrête de faire une crête. Ah non, c'est pas une crête, ok. Excuse-moi, j'ai cru. Tu aimes bien, lui? C'est l'annonceur. Ouais. Mettez pas de sous-titres, hein, surtout, je comprends tout. Là, je crois que je vais remettre en français au prochain épisode, parce que... J'aurais bien mis en anglais, au moins, mais... Mais si, tant qu'à faire ça. Ah, toi aussi tu souris là-bas, hein. T'aimes bien. Tu aimes bien lui. Je sais pas ce que tu dis, alors viens-en, on fait. Ou je monte et je t'assassine sur scène. Ah, y a un petit truc pour souffleur là. Voilà, je te dis. Genre, y'a des mecs qui toussent dans la salle, tu sais. Elle est toujours contente. Elle est vraiment héroïnée, quoi. Je le serais à ta place aussi si je vivais dans ce monde. Si j'avais pas de quoi me suicider. Ah, oula. Oh non, pas un monstre. Ah, si. Oh! Oh, énorme! Oh, j'ai bien fait de rester! Non! Non, mais trop pas! Non, mais. En plus, il est trop bien fait le bordel! Allez! Genre, tu parles français? Allez! Oula! Je sens que ça va mal se finir! Je suis sûr que ça va mal se finir! Oh non, il était gentil, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce truc? Y'a tout le monde qui s'en fout. Ah, bah là. Énorme. J'apprécie le spectacle et toi, ouais, là t'as de quoi rire. Ah oui. Oui, je vous... Non. J'allais dire, je peux vous faire des traductions, mais non. Ça aurait été terrible. Ok, une fois qu'on est assis, on est assis, quoi. C'est genre, tu pars plus. Assis. Je peux monter sur scène avec toi? Je t'aime trop. Je vous fais pas chier? Attendez, je me mets comme ça. Je t'énerve pas trop, toi? Excusez-moi de passer du temps ici, mais... Je vais voir quels autres secrets ils ont à m'offrir. Attendez, je peux m'asseoir ailleurs? Ah non. Espèce de mécène. Chut, t'es toléré ici. Ou alors c'est moi qui suis toléré ici grâce à toi, mais bon. C'est épique, hein. Oh, il y a les big VIP là-haut. Encore une rousse. Qu'est-ce qu'ils ont avec les rousses? Ok. J'aime pas trop, moi, cette affaire. Mais, c'est quoi ce sourire? Encore des perruques. Toujours plus de perruques. Ils ont trouvé un stock de perruques. Y'a rien à ramasser ici? Oh, une chicha. C'est sérieuse. En plus, elles ont cramé les nappes. Mais le souci du détail, quand il y a la nappe qui est cramée. Mais qui c'est qui arrive à cramer une nappe avec une chicha, sérieux? Ok, alors toi t'es carrément pas habillé. Je peux monter sur scène? Annonce-moi, je veux monter sur scène. Oula, toi t'es déprimé toi. T'es pas obligé de faire ce métier, hein, si tu veux pas le faire. J'ai peur là. Là c'est moins beau là. Ouais, là c'est moins sympa. Ok, par là. Oh, y'a quelqu'un qui se baigne là. Oh oui, y'a quelqu'un qui se. Ok, je m'en vais. J'ai compris ce qui se passe. Oh là! Non, c'est sérieux? On peut manger et tout? Ouais, vas-y. Putain, mais la VO quand même, enfin la VO. La virus, elle est épique, hein, quand même. Allez, merci, je peux pas refuser un truc à Albert.
Je dirais Albert. Alfred, pas Albert, Alfred. Il ressemble pas du tout à Alfred d'ailleurs. Ah oui, un petit shot. Ça m'a l'air d'être de la vitesse que tu le bois, ça m'a l'air d'être de l'eau dans les bouteilles. Ah, déjà un truc, je suis défoncé quoi. Ok, j'écoute, enfin je lis ce qu'il dit. D'accord. И расстреливают всех подряд, почем зря, и анекдот не рассказать, сразу вяжут, и строим все ходим. Putain, la version russe quand même elle est pique, mais c'est vrai que pour comprendre les trucs annexes, ouais. Donc, on voit les trucs principaux, mais annexes, ouais, c'est vrai que genre le petit spectacle et tout, c'est pas sous-titré. Un parti, un leader, une idéologie, mais on est organisé, tout est partagé, nourriture, médoc, carburant, abri. Y'a pas de riche CV, c'est vrai, mais pas de mendiant non plus, un autre verre. Tout à l'heure, j'avais vu à l'entrée, un petit mendiant quand même. Allez, un autre. C'est resservi magiquement, je suppose. J'en ai déjà bu deux, là. Attends, j'en veux un de ces verres. Auto-rechargeable. Et vide, mais plein à la fois. C'est une merveille, ouais. Je commence à être sérieusement amoché là. Se bouffent entre eux, ils vendent leurs gosses comme esclaves, c'est l'âge de pierre. Livré à lui-même, l'homme devient une bête. C'est la discipline, c'est tout ce qui compte. C'est notre survie. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort, buvant la discipline. T'es chine. Ouais. T'as une bouche qui s'arrête jamais de parler. Hein. Ah c'est bon, j'ai eu ma dose, ah non, ok là je le prends ferme. J'ai pas parlé mais là pour boire il y a du monde. Je croyais que j'avais la bouche cousue moi tellement on savait pas parler. Ok, ah ouais, il y a des énervés. Encore toi avec ta tête, c'est parce que je me suis moqué de ta tête? Non. Oh non. Oh non. Oh non, t'es sérieux? Non, je viens d'acheter des armes. Есть, товарищ майор. Non. Слушаюсь. Non. Il est vide. J'ai tué la gueule. Ok. Je me disais pas aussi qu'il était puissant cet alcool. Camarade major. Rompez. Quel enfoiré. Mais comment il a osé? Mais ça fait des années qu'on se connaissait. Купился на заверение в дружбе. На дурацкую приписку о мушкетерах. J'ai cru à cette histoire d'amitié. Oui, moi aussi. Мы еще поквитаемся. Il m'a brisé le cœur. Je me vengerai, je me demande quand même pourquoi Pavel a pris la peine de me... C'est drôle quand même que le personnage parle dans les chargements, mais il parle pas en vrai. C'est quand même fou ça. Je suis le seul à trouver ça dingue. Oula, j'ai pris... Il est un peu trop enthousiaste. D'accord. Oh putain, il va me mettre dans pénitencier. Je te hais. Je vais te retrouver, je vais te buter, je vais te gut. Tout ce que tu veux. Ouais, ah ouais. Monsieur Balaclava à gauche. D'accord, camarade général. Enfoiré, va. Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ok, tu crois vraiment que je vais balancer les miens alors que je sais pas parler? Même quand je suis heureux, je parle pas, alors pourquoi je parlerai quand on... Ok, ça c'est l'armée, ça. Ça c'est l'armée rouge. Quand tu marches par contre, on dirait un peu un trisomique. Hein. Ok. Кому он достанется, тому и жить. Это последняя война в Нордике. И мы к ней готовимся. У нас сила. Moi, je te rejoindrai pas, va te faire foutre si je peux se dire, tu vas te faire voir, je reste forever alone dans le métro à survivre tout seul. Like be a grace of the metro. C'est qui ces gens là-haut? Oula, j'arrive pas à voir ce bot des gens inventés. Ou alors oula, pourquoi tu t'étais aussi proche que moi? Ok. Ça dénote pas en tout cas avec les couleurs. Cette statue elle est en 40 exemplaires là, la dorée. Ok, salut. Oula, toi t'as fait la guerre. Je pense pourquoi t'es général toi. Ranger de Sparte. C'est rien, dès qu'il y a Sparte, de toute manière on sait qu'on va gagner les mecs. T'es 600 000, il a aussi gagné plusieurs médailles depuis sa incorporation dans l'ordre. Bien sûr qu'il a gagné plusieurs médailles. Ну что ж,
знакомству. Là, j'arrive pas à faire aussi long les roulages de R. Je sais pas comment ils font. Доставьте товарища в переговорную. Celle de négo. Je peux marcher, hein. Je suis plus lourd à porter. Putain. Давайте-ка, молодой человек. Et allons droit au but. Vraiment que je vais pas résister. Est-ce qu'il y a des QTE genre pour résister? Mutant télépathe sur le mélodon est une grande importance scientifique. Mais tout ce que vous savez sur lui, je vous laisserai la vie ainsi que votre poste chez Rangers. Mais en tant qu'espion. Vraiment, lui, si il Rangers, ce serait un. Oula, je vois des choses là sur ce bureau. Touche pas à ces choses. Il y a des seringues aussi pour me maintenir éveillé, c'est ça? Chut, mousquitiole. Je vais dire mousquetaire en russe. Il y a des mots qui changent pas hein, d'une langue à l'autre, c'est. Il y a un mousquetaire, ça doit pas sortir. Ça doit pas être un mot commun dans toutes les langues. Отлично. Как вы верно отмечали, Леня давно пора учиться. Tout le monde a des perruques en fait. L'autre là-bas, il a pas une perruque dans la lumière. Вообще-то мы собирались наставить все эти ваши сыновки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Ok, lui c'est encore le plus haut gradé que l'autre il est. Plus ils sont gros, plus ils sont gradés quoi. Tu es obligé de te coiffer, faire une moustache à l'éclair. Ok. Tu mets aucune conviction. Tu as peur d'avoir beaucoup de force. Oh, oui, j'en ai un peu, mais. Je suis un spartiate, mec. Je vais faire crever que parler. Tu veux pas qu'il y ait un marteau à côté? Papa. J'avais fait ça à tes poupées. Je peux savoir ce qu'il fait à ses poupées, lui. Il a un survêt. Ah non, j'ai vu que. Oh, j'ai eu peur. Saloperie. Qui c'est qui appelle quelqu'un saloperie? Ah, ok. Il y a le téléphone rouge à droite, est-ce que c'est. Petite. On va voir si on envoie un. Ah merde, j'ai pas fait gaffe, ça se trouve, il y en avait un chez Facho. Pourquoi chez Facho? Ça se trouve, il y en avait un. Quelque part ailleurs, je ne sais pas. J'essaie de trouver des relations. Ok. Apparemment, j'ai pas besoin de chat, je suis déjà défoncé depuis le début de l'épisode, je dis n'importe quoi. Ok, les experts. Ah non. Ok. Stylé. Ils ont mis le budget. Oh oui. Je peux jouer? Je peux courir avec les autres enfants? Ok, c'est pas bon ça. Si jeune et déjà avec des masques. Ok, là. Là on est dans la merde. Cours, cours, cours. Run! Mais run! Oula, j'ai une touche à presser. Non, esquive, rotative! Oh, what the fuck! Mais toi, t'es épique toi. Ok, t'es rapide. J'ai bien compris. Un peu trop tes fesses, là, dit. Attends, c'est toi qui m'as aidé quand j'étais petit? What the fuck? T'es mon ami, en fait. J'ai bien fait de pas te tirer dessus, frère. Ok. À Venise. Ok. En métro, ça va être compliqué, mais... Non! Laisse-le! И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Камрад генерал. Oh, le sombre, je suis trop pris d'affection pour lui déjà. Ça j'étais déjà avant et là encore plus. И революция, и мое большое будущее. Ok. Я не хочу. Ok. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют. Eh ouais, c'est ça. C'est comme ça les coups d'état. Y a pas de famille qui tienne. Vivez, c'est tout. Merci. Je savais bien que t'allais faire une erreur. Bon, laisse-moi te tuer. Est-ce que je peux? Il y a un marteau là, j'ai le choix pour te tuer. Là, dans le mur? Genre, j'essaye. Ah oui, non, t'es sérieux? Ah, il manque mon stuff là, non? Ok, bah ciao. J'ai peut-être oublié mon stuff et tout, mais c'est pas grave.
Ou alors il est peut-être pas dans la même pièce où je suis interrogé, ça me semble. Encore des champignons à manger. Je peux rester et vivre dans ces conduits quoi. Ok, j'ai un peu peur quand je rentre dans des trucs comme ça. Scorbut. Scorbut. Ta-da-da. Ah salut, on va pas me voir là je suppose. C'est fou hein, c'est. Voilà, y'a tout qui est rouge quoi. C'est... Putain de réfugié. Même les fâcheux connaissaient déjà nos plans. Eh oui. Les gars est inévitable, ça c'est clair. On peut pas éviter une guerre. Quand il y a trois clans comme ça. Oula, il s'énerve. Par contre, quand tu as tapé sur la table, ça a fait de bruit. Ça a pas fait de bruit. Mais quand nous sommes en шаге от окончательной победы революции, vous n'avez pas le droit de rompre le plan. Je n'ai pas le droit. Allez, tuez-vous. Vous avez toujours écouté mes conseils. Comme, par exemple, être avec votre frère et après lui, sans temps. Ouais, t'as pas le choix. Sinon tu disparaîtras comme ton frère. Bon ça c'est du contenu du... Putain ce conduit aussi, qu'est-ce qui est bien fait. Eh oui. Putain de métro. Oula what the fuck, qu'est-ce que tu veux faire toi. Je m'occupe du Politburo. J'ai bien fait d'écouter. Ça m'a fait un petit bruit de chauve-souris qui me parle dans, qui me murmure dans l'oreille. Je suis chien. Ok, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça, je suis toujours aussi discret. Comment vous êtes habillé, vous? Ah oui, vous avez fait une révolution, non? Edgar, lui, il est venu là. Ok. Ça, c'est vraiment, on voit l'attaque qu'ils vont faire. Ok, on doit pas vous prendre. Vous avez pas de la cyanure dans la bouche. Pour faire plaisir. Des questions? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодировании. Dis-moi ce que c'est la fréquence cryptée, histoire que j'écoute. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Ils veulent attaquer les fachos, ils veulent attaquer qui? Вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. Ah, d'accord, ils sont, c'est pour ça qu'ils sont habillés comme des clodos. Сигнала, поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Ouais. T'as encore une pièce où tu veux passer ou c'est bon? Elle est vraiment dégueulasse cette pièce, toute bien faite de fissures, encore une fois. Heureusement qu'on me voit pas. L'autre il a l'air de me voir là-bas, il me fait un peu peur en orange. Son regard de killer. Killer, killer. Ciao. Ok, donc ça c'était juste le conduit de. De l'histoire quoi. Conduit du background. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает. Я не знаю, что это ларенье в шеф. Ларенье в шеф. Знать бы, что он задумал. Генерал Корбют, j'aimerais bien savoir ce qu'il a en tête. Qu'est-ce que Лисицкий lui a rapporté du D6? Qu'est-ce qu'il va détruire les ennemis de la révolution? Encore des questions et aucune réponse. Информация о черном у Павла. Une seule chose est claire, Pavel a des informations sur le sombre, ce qui fait de lui ma cible actuelle. Ça c'est sûr. C'est mon ami le sombre. C'est my friend. Ok, alors il faut que je chope l'autre là aussi. Notre soi-disant ami qui nous a fait du mal, tant et plus. Il nous a brisé le cœur. Oh non, quel con! Oh! Ça fait du bruit ça. On s'en fout. Ok, t'avais pris quelques balles de. Non, c'était le tien. Non, c'était pas le tien. Si? Je suis fou de ma gueule. Putain de guerrier. Ah oui, voilà. Ok, alors j'ai mon fusil à pompe silencieux. Là, on va être content de l'avoir, les mecs. Là, vous avez plus m'insulter dans les commentaires. Ok, voilà. Laisse-moi juste tout loot. Pas déconner. Je crois pas que j'ai pas eu ton petit truc incendiaire par terre. Je suppose que c'est ça parce qu'on en a vu une tout à l'heure. Des filtres. Plein de choses, non? Que dalle? Que dalle? Ok.
Ah, merci des filtres. Me disais bien. Que dalle. Ok, we are good. To go. Ouais, on est bon, que dalle, voilà. Au moins cette porte, comme un homme, là. Ok, lui il m'a pas vu. Je voulais pas, je voulais pas. C'est bon. Je voulais juste viser avec ce putain de fusil à pompe. Quand on fait clic droit, ça tire une double décharge. J'avais oublié. C'est ma faute. C'est ma faute si vous êtes tous morts. C'est quoi, c'est une sorte. Voilà, bah je l'ai éteint, écoute. Ok. Un couteau. Qu'est-ce qu'il fabrique là? Ok, un putain de sous-marin ou je ne sais quoi. De train renforcé. Qui m'a l'air assez méchant. Est-ce que je peux passer? Oh oui, je peux. Je peux, donc il y a quelque chose là-haut. Allez. Dites-moi pas que c'est un mur invisible. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il a réussi, il est monté. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Oui, je peux. Nice to me. You. Ou moi ça là. Ok, je peux pas. C'est pas grave, écoute. Coffre-fort, voilà, ça me suffit, hein. Et un truc de bâtard. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Ça fait du bruit. Fuck you, ça fait du bruit. Ça reste là. Si ça se trouve, c'est genre la seule fois qu'on le voit dans tout le jeu, le bordel. Mais fuck it. J'aime pas de toute manière les lougers, ça m'énerve. Ça fait flingue de prétentieux, écoutez. Flingue de petite tarlouse. Est-ce qu'on est des petites tarlouses? Non, on l'est pas. Sinon, on le saurait, moi le premier. Ok, une AK, si tu mets à peine d'en payer une. Allez, pff, donne-moi ça. Ok, rallume-la si tu veux. Ah, merci. On va fouiller, c'est la loterie en fait là, vu que je sais pas lesquelles peuvent s'ouvrir ou pas. Bon, je suppose que c'est comme ça dans le jeu de base. Ouh là, bonjour, toi t'es hot. Sexy. Que dalle. Ok, je vais peut-être pas me balader avec la lampe comme ça. Ah, les lumières, non? Que dalle. Ok, pas grave. Alors, les numéros de téléphone, les cartes. Vraiment fat les cartes. Ah, ok, je me suis téléporté à stunté. Écoute, j'aurais bien le loot et tout, mais c'est pas grave, apparemment j'ai pas le droit. Ok, elle s'en fait un bidard à moi celle-là. Alors, je peux éteindre la lumière. Voilà, bah on le fait. C'est cool, hein, c'est bien placé, j'aime bien. Vite avant qu'ils viennent voir les lumières. Des rats. Si t'en fais ces pauvres rats. Loot. On crame les gens vivants. Ne me parlez pas de réfugiés. Quel réfugié, ces services spéciaux sont occupés? Je parle de vrais rats. Ah, d'accord. Putain, j'ai cru moi qu'ils avaient cramé des gens. Ah, ça souffle ça, je savais bien. Ok, tout ça pour deux pauvres munitions de fusil à pompe. T'as pas envie de venir là, toi? T'as envie de vivre heureux avec ta femme et tes gosses? Si je peux monter ça. T'as pas envie de disparaître. Chut. Chut. Je savais pas que vous pouvez... Toi, j'étais juste assommé apparemment. On doit pouvoir faire le jeu sans tuer personne, je suis sûr. Quoique. Qu'est-ce qu'il a lui, il s'énerve. Ah, ok. C'est hot. C'est hot. Oh, je passe. Bon, toi, tu dois mourir. Enfin, tu dois te faire assommer, du moins. On va juste te faire un petit E. Voilà. T'as kiffé. J'espère qu'ils vont pas se réveiller. Du coup, personne va les réveiller, bien sûr. Ok, donc là, il y a une truc, donc je suis obligé de passer à droite. Cool. J'avais bien envie de me faire violer. Ah, je peux passer par là. Et je peux pas monter. Ah, là, il y a une échelle. Oh non. Elle est bloquée aussi. Je peux pas monter, là? Sur ce truc? Ne! Ney! Ney! Ney, personne m'a vu. J'essaie de dire non en russe. Ok, alors toi je t'aime pas trop là-bas avec tes manières. Mon AK est épique, hein, cela dit. Ça, personne le dit si je le dis pas. Hein.
Toi, je sens que tu vas me retourner, tu vas me baiser, tu vas te retourner, tu vas me retourner, non, peut-être pas. Évitons cela. Yeah, bitch. Tu me vois pas, toi? Putain, ça va, ça éclaire pas beaucoup, hein, une lanterne. J'ai eu chaud, là, j'ai eu chaud, fessier arrière. Lui, je crois qu'il m'a presque vu. Cachade, cachade, empochade. Chut. Tu n'as rien vu. Tout ce que tu as vu, c'est le vent qui file sur ta nuque. Je pourrais rentrer dans ces conduits, là, non? Boum! C'est moins plaisir, hein, quand ça nous arrive. Alors, écoutez, si je passe là-dedans, est-ce qu'on sera heureux à jamais ou pas? On va voir ce qu'il y a déjà. Ok, on sort ici. Voilà. On est bon. Donc, il y a une petite ampoule que je pourrais pas enlever. Dévisser. Désampouler. Ok, vous, vous avez pas envie de vous retourner, ça je le sais de source sûre. Vite. Vite. Ça fait du bruit. Atrocement de bruit. C'est bon, ça se referme direct derrière nous. Non, ça se referme pas. Chut, t'as pas entendu. T'as pas entendu. Boum. Deux headshots comme ça. Bon, cela dit, c'est quand même très sombre. Quoi de beau ici? Parce que moi, je vous ai tué en espérant qu'il y ait du loot. Enfin, tué. Je vous ai assommé dans toute ma bonté. Parce que je connais pas l'autre touche, donc c'est cool. Oh, c'est quoi ça? Ouh. Putain, ils sont enfoirés. Comment ils peuvent me faire ça? Regardez-moi ça. Oh my god. Ah, comment on peut faire ça à un homme? Vous savez, le fusil à pompe, il est pas si bien que ça. Le truc, c'est juste que ça me fait chier de l'avoir payé, quoi. Et de pas l'utiliser. Après, vous voyez. Parce que là, ce flingue, il est... Attendez. On parle quand même d'un flingue avec un viseur à cog. Ouais, bon, fuck it. Vous savez quoi, n'importe quelle arme, on y arrivera. Donc, fusil à pompe, c'est peut-être pas la meilleure arme, hein. Ouais, bon, fuck it. Déjà que c'était pas très efficace contre... Il y a des gens qui s'entraînent, c'est cool. Je veux juste passer, moi. T'aurais jamais dû tourner le dos à ton ami. Ok. Wow, t'as failli mettre un coup de pied là. Comment tu fais ça, man? Je peux pas t'éliminer là. Merci pour le dossier. Ça va, bitch. Ah, toi tu descends, c'est cool. Je sais pas du tout où je vais, non. Si ça vous emmerde. Pareil, hein. Je peux pas éteindre un tonneau, fais chier. On est passé. Boum. Ça réveille. Pourquoi tu t'endors dans les couloirs? Alors on peut éteindre toutes les ampoules, hein. Ah, on peut pas ouvrir cette porte d'ailleurs. Bon bah, d'ailleurs. Vous voulez dire d'accord, pas d'ailleurs. Allez, vite pendant qu'il y a le gymnaste qui s'entraîne. Voilà. Comment je vais faire lui pour le niquer? Comme ça? Je peux pas. Je peux éteindre. Sérieux? N'importe quoi le mec. Ouh, à côté de l'autre. Tu parles, toi? Ah, ça, tu parles tout seul. Il y a l'autre qui arrivait, je crois. Non? Me mens pas, si t'arrivais, il faut me le dire. Il est parti. Oh, bah, toi, t'es mort, toi. Boum. Assis ou pas. La guerre, c'est la guerre. Non! Pourquoi il jouait du piano, ça? Il a pas entendu? Ok. Soir avant, en même temps, quelqu'un qui joue du piano, j'ai envie de te dire. Il y avait quelqu'un assis devant le piano, donc. Pourquoi serait louche? Allez, éteins-moi ça avant que quelqu'un finisse en Claude François. Pas envie de me tailler dans cette truc là. L'eau elle est étonnamment claire, hein, quand même. Claire. Oh, il y a le Titanic. Alors ça c'est pas une référence. Non mais il y a un moment où stop, quoi. En même temps moi je vois un peu des références de partout, mais bon. Mais c'est pas là le sens de la vie. Je sens que je vais être baisé à la seconde où je vais rentrer là. Yes. Et si personne m'a entendu, personne m'a vu. Personne ne m'a entendu. Il y a des feux de partout, quoi.
Économisez le bois, il y en a plus tant que ça. D'ailleurs, où vous trouvez le bois, quoi? Vous avez une réserve souterraine ou quoi? Parce que... je risque pas de pouvoir l'éteindre, peut-être avec la manivelle, non? On s'en fout de toute manière. Ok, ça c'est un bon petit conduit qui mène vers un endroit très sympathique appelé le mur. Ok, alors ça va être discret ça, tiens. Ok. Hello. Hello. C'est trop bien éclairé au bon endroit là, ça me fait peur. Attends-moi ça. Toum, 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 toum. Doubadouboum. C'est bon. Ok, on est revenu là, t'es sérieux? Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi on a fait ce détour, mais on l'a fait. Il doit y avoir une bonne raison. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi tu gueules? T'entends pas? Bon, tu te calmes. Bon, il y a l'autre là-bas qui risque de me voir. Là, peut-être, il y a un petit passage. Lui me fait peur avec sa lampe torche frontale, là. L'autre, il rallume pas les lumières là-bas? Non, il s'en fout, ok. Là-bas, il y a un truc pour éteindre les lumières, donc écoutez, par où je passe? Ça va être hardcore là. Si quelqu'un me voit un peu, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dû parler et dire quelque chose, mais encore une fois, c'est pas sous-titré donc je l'ai dans le as. Donc toi, t'aurais jamais dû partir de ton truc en sécurité dans la lumière. Tu jouais à Alan Wake avec moi. Je suis les ombres. Quoi? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui courait vers moi. Alors par là, c'est bon ça. Y'a plus monsieur torchier. Il va pas me voir lui, peut-être, quand je vais arriver devant lui. Là il me voit pas peut-être déjà. Ok, c'est déjà éteint. Attendez, j'ai fait le tour là? Non, je veux pas y croire. Les lumières m'ont l'air déjà éteintes à moi, hein. Ouais. Attends, il va pas me voir lui? C'est quoi cette blague? C'est quoi cette espèce de blague? Ok, elle est trop haute cette truc pour que je l'éteigne, allez. Run, 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 run. Allez, on va sortir là. Ça m'a l'air. Ah non, pas tout de suite. Est-ce que tout le monde a un masque? Ah non, sinon j'en aurais mis un. Quoi, minuto? Oui, va voir. Comme ça, moi, je vais meurtrir ton... Quoi? Quelqu'un qui m'a vu? Bon, c'est nerveux, là. Ah, je loot. Hein? J'ai pas le droit. Merde. Ok, il est 22h45, on voit sur la montre du héros, c'est cool. Lol. Ça c'est la vraie heure. Oh, c'est la vraie heure, sérieusement. C'est vraiment l'heure qu'il est. Un petit détail, mais lol. Je suis trop refait de savoir ça. Arrêtez de dire minuto, ils traduisent une seconde, mais ils veulent pas traduire les trucs importants. Quelqu'un qui m'a vu ou quoi là? C'est quoi ce bruit de stress là? Tu vas te faire violer. Allez, montre-moi cette échelle à la vitesse de la lumière. Encore des couteaux pour tuer les gens. Mais moi, je les tue plus, je les assomme parce que je connais plus la touche. J'imagine que c'est V ou un truc dans le genre, mais je peux pas prendre le risque. V. C'est V. Comme Vendetta. Qu'est-ce que c'est que ça, tiens? Non. What the fuck is that? Ah, c'est un fusil à pression. Bon, ça reste un peu épique comme arme. Cela dit, je sais pas si c'est mieux que... Ah, c'est un harpon. Ouais, bon, mais il y a un moment, le fusil à pompe, je l'ai trop longtemps gardé, quoi, non? Ça me fait mal, je trouve des munitions toujours, hein, pour le fusil à pompe. Ouais, fuck it, je trouverai jamais une munition pour cette arme. Je préfère la jouer écolo. On est en ranger, on n'est pas en balade touristique. Quoique, pour l'instant... Chut, c'est bon. In the toilet. Mais c'est bon, on prend pas échelle pour ça. In the toilet. J'y passe ma vie. Oh, y a du loot là-bas. Quand y'a du loot, y'a des risques. Je crois pas qu'il m'ait vu. Ok, faut faire gaffe qu'il nous voit pas, je pense. Loot-moi ça. Donc il y a un monsieur juste là, j'ai un peu peur, j'ai dû faire du bruit en montant, mais non, lui ça va pas réveiller, boum. C'est un peu abusé cette infiltration, comment c'est cheaté, mais bon, on en parlera pas. Ok, alors la personne va me voir passer, je suppose, voilà, easy. Like in butter, boum.
Je crois que je vais l'appeler Let's Fourbe, ce let's play. Ok, cette lampe, je l'aime pas trop. Il m'a pas vu? Putain, je suis invisible, hein? Non, je pense pas. J'ai peur. J'ai peur. Me viole pas. Don't viole me. Please. Don't viole me. Il m'a vu. Bordel. Bordel, bordel. Bordel. Il va bien falloir que je la monte cette putain d'échelle. Sérieusement, il m'a encore vu. Ah, c'est la merde. Il est juste là. Ok. Ok, 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 ok. Ne pas pleurer, il est juste derrière. Ne pas sortir le fusil à pompe, parce que quand je vais vouloir viser, je vais tirer une double décharge, ça va pas être cool. Personne n'a envie de ça. Allez, pause clope. Pose à clopa, je te vois avec ton petit bras là. Pose à clopa. Pose clope. Comment je fais là, je tire là-dedans. je suis dans la merde. Help me. Please. God. Je le vois là avec son petit bras. Il va me voir. Je suis surpris qu'il me voit déjà pas. Comment je fais? Je lance un couteau. Allez. Yes. Personne n'a vu. Je peux même loot. Voilà, normal. Et on monte. C'était situation tendue à gérer ça. Et donc lui il est mort, lui, il le sait pas encore mais il est déjà. Mort. Genre le mec il a pas le temps de gueuler quand tu le retournes comme ça, tu sais. Il avait une arme pas mal lui aussi. Ouais non c'est. Ouais. C'est ce que j'ai mais en moins bien. Quelque chose à faire là-dessus, quelque chose à appuyer. Parce que moi j'appuie sur tout, je touche tout partout, donc ça va être vu. Dites-moi juste où appuyer et je le ferai à un dossier avant. Avant d'appuyer de partout, de poser les manos. Et on fait quelque chose. Ah, on a éteint ça, on va pouvoir passer. Par en quelque part, par là. En sautant là. Oui, comme ça, yes. Ok, moi j'ai pas confiance. Putain, j'aimerais pas passer là. Oh, oui. Oh my fucking god. S'il vous plaît, pas une épreuve avec plein d'hélices qui tournent. Ok, t'as de la force, man. Et lui, il nous voit pas. T'as pas intérêt à laisser tomber cette porte sans la retenir. Ah ça c'est pas si lourd que ça, Starlouze. Fait semblant d'avoir de la force. Je devrais sans doute m'arrêter là, mais en fait je voulais faire deux épisodes de 30 minutes. Bah écoutez, on va faire un de à peu près une heure, hein. Est-ce qu'on a le choix? Non. Ah d'accord, je descends là, je croyais moi que j'allais monter. Ok, il me voit pas, allez vous faire voir. Je vais attendre qu'ils aient fini de parler. On va éviter de faire une boucherie. Ouais alors excusez-moi, c'est en mode discrétion quoi, c'est pas. Ils ont fini. J'ai volé un dossier. Je peux pas aller dans les shots là? Non. Oh c'est beau, personne m'a vu. Oh c'est beau, la chatte c'est beau. Ok. Fais pas un truc dans la gueule, ah, ce bon vieux Bill. Allez! Vite! Les neurones se régénèrent pas. Les grues ou ton froc? What? Personne m'a vu, jamais. Ok, c'est toi qui m'as vu? Vas-y, viens me chercher, je suis juste là-bas. Ah, il y avait une. Ok, d'accord. Je sais pas comment ils font pour me voir et pas être sûr de. Ça c'est un truc. Oh, c'est toi qui m'as vu? Ok, vous m'avez tous vu. Ça c'est un truc que je comprendrai jamais dans les jeux vidéo, c'est. Je sais pas. Comment quelqu'un peut croire avoir vu quelqu'un, mais non. Non en fait je l'ai pas vu les mecs. C'est sérieux toi? C'est une blague? Mec j'ai l'air de rigoler avec toi.
Attends, attends, regarde-moi, j'ai l'air de rigoler. Regarde-moi. J'ai l'air de rigoler. Connard. La honte de notre nation. Voilà. Bon, oui, stop. Il y a un plan du... Oui, du coup, j'ai pas fini mon loot. Ok, sérieux? Vous avez pas encore une boîte à l'intérieur de la boîte? Car lui, il fait des tractions n'importe où, c'est le même, je suis sûr. J'aurais jamais dû le laisser en vie, lui. Ok, alors je risque pas de dévisser cette ampoule. Par contre, toi, je risque de te tuer. Ou de t'assommer, parce que je suis pas un méchant. J'ai tué tous les fachos, mais eux, je les assomme, on ne sait pas pourquoi. J'ai trouvé cette touche, on va dire... Ok, d'accord, cette tour, ce qui fait flipper. L'autre, il regardait l'ours, d'ailleurs, il disait « What the fuck ?» Alors, comment je fais là? Bah vas-y. On y va au talent. Au talent. Ça marche. Bien sûr que ça marche. Tss. Oh merde. Avance. What the fuck. Je vais empêcher un touche à tout. Écoutez, moi ils me mettent une grosse main blanche au milieu de l'écran, j'appuie. Et... Tu me fais un peu peur toi. Ok, donc là, je préfère agir vite tant qu'il a pas tourné sa lampe lui. Putain, j'ai trop envie d'utiliser ça quoi. La station est proche, il y a la mitrailleuse. Projecteur t- Personne n'a vu. Mais il suffit d'entendre le bruissement, ouais. Vous pouvez pas brûler l'étoile. Ah oui, il y a des araignées encore, c'est saloperie. C'est foutu, mais si elle recouvre à nouveau toute leur merde. Vite, 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 avant pendant qu'il est en train de le désigner. Oh fuck. Retourne en arrière, retourne en arrière, retourne. Cache-toi là, 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 là. Ok. Oula, toi t'es épique, attends. Merde, j'allais prendre le fusil à pompe et zoomer. Oh, l'erreur. Ok, alors j'ai mis une munition de plus dans mon chargeur, je suppose. On aurait dit qu'un humain avec un gros sac de plus, mais quand j'ai allumé l'air, il n'y avait plus rien. L'examen commence après 6 heures de garde. Lol. T'es beaucoup trop épique pour être humain, toi. Monsieur, je suis en exo-armure, là. Pourquoi vous êtes habillé comme des gods? Vous allez être heureux. Vous êtes passé avec votre lampe, t'as pas envie de tourner la tête là. Surtout, regarde tout droit. Vous avez pas vu mon couteau, les mecs, tant qu'à faire, non? Il est vert. Il a le bout vert, non? Tant pis. Là, ça aurait été rude, hein, quand même, de tous les buter. Okay, alors, toi, t'es tout seul, du coup. Oh! Ok, il va y avoir une agression, je vais surtout revenir en arrière pour pas mourir. J'aurais peut-être dû te laisser en vie, toi, du coup. Vu que je vais me faire agresser, j'ai entendu un rugissement là. Oh, je peux prendre ça? Non, je peux pas. Ok, maintenant j'ai peur. Ouais, je crois que ce serait ça. Oh putain, c'est moi qui fais le bruit. Je crois que ce serait ça, je reviens en arrière. J'ai peur tout seul, moi j'aime bien être accompagné. Oh. Ah, on voit mon nom, ça m'a fait flipper un peu. J'aime bien être accompagné. Ok. J'ai envie d'aller là, tiens. Là, les mecs, il y a une AK juste là, vous aurez pu venir la chercher, sérieux. Ça, c'est pas l'autre bout du monde. Bon, Marc, vu qu'il y a un cadavre comme... Oh oui, d'accord, ça donne pas envie d'aller plus loin. Moi, je suis un peu un warrior. Alors, c'est une AK toute basique, donc... J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la mort. Santa Maria! Pas derrière moi, s'il vous plaît. Ah, ok, toi, tu vas disparaître, non? Ok, mec, t'avais une grenade incendiaire, pourquoi tu vas pas utiliser pour... Son visage. Je suis pas en confiance. Déjà se balader avec la lumière contre les araignées, c'est là. Oh putain. Oh my god. Oh, ils se sont fait démonter eux. Ok. Allons-y, allons-y. Ok. Pas d'agression sexuelle. Oh non! Sérieux? Artyom. Ah c'est... Non, on s'est déjà rejoint. Putain, on est pas loin des cocos. Pu transmettre un rapport à l'ordre via mon ancienne connaissance. André le forgeron. Moi, Melnik saura que je suis vivant, que je n'ai pas terminé la mission, mais que je n'abandonne pas pour autant. Bah nous, on va abandonner là, écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'attendais la fin de sortie, bon, c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à plus pour la suite, allez, salut.
Dieu, viens pas éteindre le feu. Non, viens pas éteindre. Et allume, on va mourir.